Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue sur Union Soubonne. Nous sommes de retour pour un témoignage extraordinaire, les amis. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, avant de draguer une fille, il faut prendre le soin de chercher à savoir quel est son état d'âme. Il faut d'abord chercher à savoir si vous êtes en face d'un être humain ou d'un démon. Parce que ici, un homme va se retrouver dans une boîte de nuit. Arrivé là-bas, il va faire la rencontre d'une femme. Mais il ne savait pas que cette femme, c'était une femme morte. Hein? Quelle histoire! Quel témoignage! Écoutons ça. Si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, abonnez-vous. Laissez un j'aime et partagez cette vidéo pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent comprendre qu'on ne drague plus n'importe qui dehors. Même les sorcières sont dehors et en mission. Écoutons ça. Ça se passe au Gabon, hein? À Franceville. C'est la province du Haut-Togo. Et là, ma soeur m'a raconté une fois. Il y avait une grande, nous avions des liens de parenté qui étaient décédés. Alors ici au Gabon d'MG, les gens ont l'habitude d'enterrer les gens, faire derrière les maisons ou à la cour, d'aller dans les mausolées et tout ça. Et c'est comme ça que cette dernière, lorsqu'elle est décédée, on l'avait enterrée derrière la maison. Elle est décédée, on l'enterre et puis... Un jour, elle est sortie, déjà morte, hein, c'est-à-dire son esprit est allé en boîte danser. Waouh. Elle danse, elle s'amuse, et puis elle a fait la connaissance d'un monsieur. Le monsieur, ils sont amusés, après le monsieur lui a déposé. Elle a juste dit au monsieur que voilà, j'habite ici. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de souci, je reviendrai te voir autour de 16 heures. Le monsieur est rentré chez lui, il a fait connaissance d'une très belle jeune femme et puis voilà, il faut bien revenir pour faire concours, pour mieux se connaître. Et c'est comme ça que le lendemain, autour de 16h, 17h par là, une voiture est venue garer dans un carrefour. Alors, le monsieur descend, il commence à se renseigner. Il demande, c'est si je vais appeler la dépeinte, comment, Lucie. Je vais pas donner son vrai prénom parce que c'est pas vrai. Parce que j'ai pas l'autorisation des parents et tout, ni de ma soeur qui m'avait raconté l'histoire pour, voilà. J'ai pas son autorisation vu qu'elle n'est pas en province en ce moment, elle est en capitale. Alors, le monsieur demande, je suis venue pour voir la jeune fille qui habite là, qui s'appelle Félie. Elle est grande, belle, un teint noir, chocolat et tout ça. Déjà, la personne avec qui s'était renseignée était un peu étonnée, tu vois. Et puis, c'est comme ça que on l'emmène chez la jeune dame. Lui, il vient, il se renseigne, il dit bonsoir à la famille, aux mamans qui étaient assises. Et puis, il dit, je suis venue voir... telle dame, on s'est vu hier en boîte de nuit, on s'est amusé. Et puis, je l'ai déposé là. Elle est venue ici, elle a dit. Elle m'a montré la maison de loin en disant, j'habite par ici. Et puis, les mamans, elles étaient là attristées. Elles ont amené le monsieur derrière la maison. Elles ont montré la tombe de la jeune fille décédée là de feindre. En disant, en fait... elle est décédée il y a à peine 2-3 semaines, ça fait pas très longtemps, nous l'avons enterrée. Comme vous allez le constater, nous sommes encore en période de deuil et tout ça. Le monsieur a attristé, il est rentré chez lui. Et lorsque les mamans sont restées, elles sont allées parler sur la tombe de la jeune fille décédée, la défunte, pour dire, bah écoute, s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, jusqu'à te conduire... à la tombe, à la mort, il faut apparaître à cette personne, c'est-à-dire il faut
faire du mal à cette personne au lieu d'apparaître chez des gens qui ne te connaissent pas. Ça fait pas bien, ça fait pas beau. Quelqu'un d'inconnu comme ça qui vient te demander alors que tu es décédé il y a déjà 2, 3 semaines. Et puis voilà, donc c'est pour dire que souvent lorsqu'on sort, toute la morale de l'histoire c'est ça, hein? Les hommes qui aiment draguer les filles la nuit en boîte de nuit, tu vois une jeune fille, tu ne sais même pas qui elle est, d'où elle vient. Et même Parfois, les femmes on qui loupe. draguent les hommes en boîte de nuit aussi, ils vivent ça, il ne faut pas seulement indexer les hommes. Mais comment ça? Là, c'était un homme qui avait dragué. Il a dragué une revenante. Et il revient le lendemain au rendez-vous et tout. Il revient voir la petite, alors que la petite, elle est décédée depuis. Donc, c'est pour dire que parfois, lorsqu'on se balade, que ce soit la nuit, le jour, dans des marchés, des boîtes de nuit, les revenants aussi reviennent là, ils viennent s'amuser. C'était peut-être une femme qui aimait son groupe. Elle a voulu refaire son groove, même étant dans la tombe, et puis elle a croisé un monsieur, et puis voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? Bon, oui, comme tu viens de le dire, DMJ, les femmes qui aiment draguer, les hommes qui aiment draguer dans la nuit, en boîte de nuit, évitez ça, les gars. Draguer la journée, c'est bon. Ah, elle dit draguer la journée. Elle a mis même la journée. Moi, je vous le dis, dehors se trouvent des sorcières. Elle a dit que si le diable vous cherche, si le diable cherche à te tendre un piège, mon frère, ce qu'il va te faire, c'est qu'il va t'amener tout simplement une femme sorcière. Si cette femme sorcière réussit à te tromper jusqu'à s'introduire dans ta vie, mon frère, le diable a gagné. Et ces femmes sorcières, quand vous sortez, elles sortent avec vous. Quand vous empruntez un véhicule, elles empruntent le véhicule avec vous. Là où vous allez, elles disent qu'elles partent aussi là-bas. La destination, là où tu dis que tu descends haut à Paris, tout à coup, elles se vont dire que oh, je descends aussi à Paris. Si tu descends, tu dis que tu descends à Paris dans tel quartier, elles vont dire oh, je descends effectivement à Paris aussi et dans le même quartier. Souvent, vous voyez de tels signes, mais vous n'avez pas idée que c'est le diable qui est derrière la fille qui se trouve en face de vous. Ça veut dire que si vous avez peur des revenantes la nuit, les sorcières en plein midi vont vous chercher. Le monde fait peur, les amis. Le monde fait vraiment peur. Si on vous montre quel est réellement le vrai visage de ce monde, quand vous allez sortir de votre maison, vous allez regarder à chaque fois dans tous les sens pour savoir si le danger ne s'y trouve pas. C'est grave, les amis. C'est très, très grave. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage, une histoire hors du commun. Je C'est vais avoir parti. dans les 10 ans une voisine, je vivais avec ma grand-mère. En fait, la voisine était toujours bizarre, elle vendait des glaces aux oeilles là. Chaque soir, la voisine là, quand elle, soit vers les 22 h, ça s'est toujours face à sa porte. Et parce qu'on était aussi en face, enfin, on était face à face, nos maisons se regardaient. Donc, chaque soir, je remarquais qu'elle s'assied toujours devant la porte, elle nous regardait, elle regardait toujours notre maison. Et à côté de notre maison, il y avait une maison inachevée. Et il y avait toujours un chat noir qui apparaissait vers les 23 h. Ce chat noir, on ne sait pas d'où il sortait. En tout cas, tout le quartier le voyait à chaque 23 h, mais elle était toujours dehors. On a pratiquement fait, je crois, plus de 5 ans dans ce quartier. Mais il y avait toujours des bruits dans la maison. J'avais une maison, la maison inachevée. On considérait que c'était peut-être une maison hantée. Parce que chaque soir, cette maison faisait le bruit et le chat noir là dormait à l'intérieur. Et la femme était toujours dehors. Un jour, je ne sais pas si c'était ma tête qui était ouverte ou bien je ne sais pas trop. Un jour, je dormais. Ma grand-mère était sortie. J'étais restée avec mes soeurs. Quand je dors, tout d'un coup, la chambre où on était, il y avait une espèce de miroir. On regardait, quand on est le miroir là, on voyait le salon. Un soir, on dort. J'entends, bon, j'ai les yeux ouverts, bien ouverts. C'est pas que je dormais, je me suis réveillée parce qu'il y avait le bruit. Je sens la porte qui s'ouvre, la porte du salon qui s'ouvre. Ah. Peut-être ma grand-mère est rentrée. C'est comme ça que je vois le reflet d'une. Donc, je vois un reflet au miroir, comme s'il y a quelqu'un. Mais la personne au salon debout. Ma grand-mère ne peut pas rentrer. Et elle reste debout au salon comme ça. C'est comme ça que j'essaie de me lever. Je vois cette femme-là debout au milieu de notre salon, à travers le miroir.
J'avais 10 ans. Tu sais, je ne fais que lui regarder. Elle fait que regarder la maison. Maintenant, elle prend maintenant, elle vient maintenant au niveau de notre porte. Quand elle touche le poignet de notre chambre, puisqu'on ne ferme pas la porte à clé, elle a ouvert la chambre. Moi, j'ai vite sauté sur le lit, j'ai pris le drap, j'ai mis à la tête. Elle est rentrée dans la chambre. Quand elle rentre dans la chambre, elle part un peu partout, elle commence à marcher dans la chambre, elle fouille. Elle vit au niveau de nos pieds, elle est là, elle fait comme si elle nous eût, en fait. C'est comme si elle nous sentait, je sais pas. En fait, moi, j'ai pris peur, j'arrive même pas à réveiller ma petite soeur, ma soeur, ma grande soeur, pour dire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Elle est en train de fouiller, elle fouille, elle fouille, elle fouille. Elle part à la cuisine. Quand elle part à la cuisine, je sais pas ce qu'elle est faire à la cuisine. La femme ressort. Et quand elle ressort, je n'entends pas la porte s'ouvrir. Je suis bloquée dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Mais je n'entends plus le bruit. Maintenant, je me lève, je regarde, je ne vois plus dans la maison. Je suis restée tranquille. Je n'ai même plus dormi. Après quelques heures, ma grand-mère est arrivée. Quand elle est arrivée, elle m'a trouvée éveillée. Mais moi, mon petit nom, c'est Madame, mais Madame. C'est comment? Tu dors pas? Je n'arrive pas à lui expliquer que non, maman, voilà ce qui s'est passé. J'ai dit non, je n'ai pas sommeil, mais je n'ai pas dormi. Toute la nuit, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Je me suis réveillée. La première chose que j'ai cherché à faire, c'est de regarder la voisine là. Donc, quand je me réveille, le matin, je vois entre les barrières, ça court. Je regarde la voisine, je dis attends. J'ai rêvé ou c'est une réalité. En fait, j'étais un peu déboussolée. En fait, je ne croyais pas ce que j'avais vu. J'ai laissé. Mais le matin, ma grand-mère veut maintenant chauffer la nourriture qu'elle a laissée pour qu'on recèle de manger sur le matin. Quand elle ouvre la marmite est remplie des asticots. La marmite est comme si non. Ça, comme pourri à l'instant, il y avait que des asticots à l'intérieur. Mon cœur tique. Wow. Bon, non, peut-être c'est pas ça. Bon, pourquoi la marmite a pourri comme ça? Les asticots, la sortent dedans. Ma grand-mère s'est plainte, peut-être, bon, elle n'a pas essayé de comprendre. Elle ne connaît pas trop les choses comme ça. Elle a pris la marmite, elle a versé et tout. La voisine ne fait que nous regarder. Après, elle m'appelle par mon prénom. Je viens vers elle, elle me dit, maman, bonjour. Mais tu as bien dormi? Je dis oui. Après, mais tu sais que tu as bien dormi? Je dis, oh, j'ai bien dormi. Elle me dit, ah, ok. Tu veux la glace? Je dis, non, je ne veux pas ta glace. Je suis retournée. Elle me regarde derrière. Puis, la même journée, jusqu'au soir, on a encore dormi. Ma grand-mère, en fait, elle faisait l'éveil des prières. Elle était beaucoup chrétienne. Elle partait chanter dans l'éveillé. Donc, elle nous a encore laissés. Je dis, ah, la femme nous laisse comme ça, là. Peut-être la femme va encore venir ici dans la nuit. Et effectivement, madame est revenue. Elle est revenue encore visiter la maison. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait, mais elle est revenue visiter la maison. Cette fois-ci, je fais que réveiller ma grande soeur que réveille-toi, réveille-toi. La fille ne se réveille pas. Maintenant, quand elle est rentrée dans la chambre, je me suis assise sur le lit. J'ai commencé à lui regarder. C'est comme ça, quand elle me regarde, elle me fixe. La femme ne bouge plus. Moi aussi, je lui regarde. Toi, tu es venu faire quoi ici? Je regarde la femme me regarde. Elle retourne, elle ressort de la maison. Tout ça, la porte ne s'ouvre pas. Elle ressort de la maison. Je vois comment elle sort. Elle traverse la porte. Je sais pas si moi-même j'étais où, je ne connais pas. Ce matin, qui était ouverte, je ne sais pas. Elle ressort de la maison, elle retourne. Le matin, maintenant, c'est à 6h, 6h, je me suis réveillée avant, je me suis mise devant la porte. Je lui ai dit que madame, pour lui montrer comment j'étais réelle et m'ont vu la nuit. Ma grand-mère arrive. Là, cette fois-ci, ma grand-mère était venue le matin. Elle est arrivée. Moi, elle me trouve dehors. Oh, madame, tu fais quoi dehors? Je dis non, maman. J'ai quelque chose à te dire. Au même moment, elle ouvre sa porte. Elle traverse. Elle vient dire à ma grand-mère, madame, votre fille est sorcière. Il fallait la soigner. Comme ça, ma grand-mère dit que ma petite fille est sorcière. Comment? Elle dit non, elle est sorcière. Il fallait soigner ta fille-là. Elle ne dort pas la nuit. C'est là, maintenant, je dis que maman, tu es une menteuse. C'est toi qui ne dors pas la nuit. Tu rentres ici toutes les nuits pour lui fouiller les marmites de ma grand-mère. Tu viens fouiller la maison. Tu n'as même pas, c'est toi la sorcière. C'est ce que ma grand-mère a dit. Ah bon? Non, c'est ce qui se dit. Oui, maman, c'est ce qui se passe ici. Elle rentre toutes les nuits ici, elle vient fouiller le chat. Chaque fois que tu as vu les asticots dans ta marmite, c'est sûr que c'est elle qui a mis les doigts à l'intérieur. La femme a fait me bastonner devant ma grand-mère. Tu me prends de force, tu me traites de sorcière par rapport à la fille me bastonner. C'est parce que ma grand-mère s'est mise en train de que tu as été un problème que tu me tapais l'enfant. Le matin, comme ça, tu me dis non, elle est sorcière. J'étais petite, j'avais 10 ans. Quelques jours plus tard,
On ne dormait plus dans la maison. Le jour, ma grand-mère avait dormi toute la nuit, des grincements devant la porte, la toiture. Bon, j'ai dit à ma grand-mère, mamie, c'est la femme-là qui fait ça, c'est la femme-là qui fait ça. Et à cause d'elle, on avait déménagé de la maison, là. On avait déménagé, on est qui sont partis. On est partis vivre ailleurs à cause de la femme-là. Je te jure, ça, c'est l'histoire. Je me suis rappelé de ça maintenant. Ah, c'est les voisins, quand il y a les voisins bizarres, c'est tout ça là, les sorciers partout. On n'est jamais en paix. Merci, merci beaucoup. Ouais, ça. C'est quoi, vous voyez là, c'est effectivement ça. C'est ce qu'on appelle la pure sorcellerie. Vous arrivez dans un quartier, les premières personnes à venir vous saluer là, méfiez-vous. Ce sont les sorcières. Ces sorcières-là arrivent. Ils arrivent vous saluer pour prendre des informations sur vous. Pour savoir d'abord si vous les voyez. Dès qu'ils verront que vous causez bien avec eux, vous ne vous dites rien, vous leur confiez certains secrets, automatiquement, ils vont se dire que bon, un, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas qui sont réellement des sorciers. Deux, vous vous ouvrez à eux, donc, ils vont se dire que ça tombe bien, ils peuvent maintenant venir chez vous. C'est là maintenant, ils vont commencer à se transformer en cafards, en fourmis, en moustiques, en mouches, en salamandre, en tout ce qui est mauvais, même des bêtes vraiment bizarres. Et ils viendront vous visiter. Vous allez remarquer que tout ce que vous allez essayer d'entreprendre sera comme exposé. Tous vos secrets exposés. Jean, comment tu vas savoir cela? Passe au quartier. Tu entends quelqu'un là-bas parler de quelque chose que tu as formulé comme projet hier. Si par exemple, tu t'es dit que oh, aujourd'hui, tu vas t'acheter une nouvelle robe. Ou bien tu achètes une robe pour ta femme. Tu verras un de tes voisins là-bas ou bien quelqu'un dans le quartier sortir ici pour dire que oh, ma femme, ah, toi-même, tu as besoin d'une nouvelle robe. Hein? De toi, il parle. C'est la sorcellerie là que tu vois comme ça. Les sorcières sont dans le quartier. Et c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas honte. Ils ne se cachent même plus. Ils ne se cachent même plus. Et cette petite fille, comme nous venons d'entendre dans ce témoignage, cette fille pouvait la voir. Et quand vous voyez la société que vous la bloquez dans les œuvres, ils vous appellent sorcier. Oui! Quand un sorcier voit que tu le vois, en fait, quand il sait que tu le vois, il t'appelle sorcier toi-même. Donc, un sorcier qui appelle une autre personne sorcière. Sorcier, un sorcier. Non, c'est pas possible. Vous voyez ce qu'ils font? Vous voyez le jeu qu'ils font? Et ils accusent les gens même. Ils peuvent vous accuser pour quelque chose que vous, dont vous ignorez carrément même l'existence. Ce monde est un désordre total. Et on voit beaucoup ce genre de choses en Afrique. Méfiez-vous, avant d'aller dans un quartier ou même dans un pays, mettez-vous en prière que Dieu vous montre en songe ou en vision ou même par révélation des choses cachées qui se trouvent dans le pays ou même dans le quartier où vous voulez habiter d'abord avant d'y aller. C'est très important pour éviter les combats inutiles ou des visites nocturnes des sorciers. C'est pas que vous avez peur d'eux, c'est juste pour éviter certains combats. Bien, nous allons écouter encore notre témoignage. Quelque chose de vraiment terrible. Bien, ça risque de beaucoup vous étonner. Écoutons son conseil. Mon histoire est la suivante. J'aimerais dire, avant de rentrer dans une chambre ou bien de rentrer dans une maison, taper la porte avant. C'est très important. Ça vous permet d'éviter certaines choses. Ça vous permet aussi de ne pas voir certaines choses. Je vivais en famille avec mes frères et sœurs. Et il y a un monsieur qui est venu me donner la commission de ma grande sœur. Et là, je courais pour aller dans la chambre parce que ma grande sœur se trouvait dans sa chambre. Je courais pour aller faire la commission. Et j'ai oublié de taper la porte avant d'entrer. Et lorsque je rentre, j'ouvre la porte brusquement. Je vois ma grande sœur, une grosse femme, en train de laver
son vagin dans la sauce de son copain, en train de laver ses règles dans la sauce. Elle est assise sur la sauce, en train de laver avec un liquide son vagin pour mettre dans la sauce pour remuer. Et j'ai fermé la porte un coup, j'ai eu peur, j'ai pris peur, j'ai eu froid un coup. Elle m'a dit, sauvage, pourquoi tu ouvres la porte comme ça? On t'a pas appris à taper la porte? Et j'étais étonnée. Parce que ce genre de choses, je n'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu, je ne savais même pas que ça existait. Donc j'aimerais dire à certains hommes, lorsque vous êtes avec des femmes, prenez la peine de les étudier. Prenez la peine de prier pour voir quel genre de femme qui est dans votre vie. Parce que ce que j'ai vu, elle a fini, elle a remué la sauce avec la cuillère, elle a fermé. Elle allait donner à son copain pour manger. Mais qu'est-ce que moi je pouvais dire? Je ne pouvais rien dire. Mon Dieu. Mais j'étais dépassée, j'étais traumatisée. Je ne savais pas quoi faire. Elle m'a insulté ce jour-là, me traité de n'importe quoi. Mais les gens me demandaient, mais pourquoi t'es insulté? Je ne pouvais même pas dire parce que ça faisait honte. Ça... J'étais dépassée. Moi-même, j'étais traumatisée. Je n'avais jamais vu ça. Donc, je me redis à tous les auditeurs ici que lorsque vous êtes avec une copine, prenez la peine de prier pour savoir quel genre de personne qui est dans votre vie. Parce que ça, moi, je trouve que c'est la sorcellerie. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais en ce moment 10 ans. 10 ans. Je vous assure que mes frères et sœurs, le dehors est mauvais depuis très longtemps. Prenez le temps d'étudier la personne. Prenez le temps de prier pour savoir quel genre de personne qui rentre dans votre vie. Parce que vous pouvez trouver le danger dehors. Malgré tout ce qu'elle a fait, le monsieur ne l'a pas marié. C'est là que j'ai vu que vraiment Dieu... Tu peux tout faire, mais si Dieu n'a pas la main dedans, ça ne marche pas. Merci. Oh, elle a tout dit, les amis. Elle a vraiment, vraiment tout dit. Elle a vraiment tout dit. Tu peux tout faire, mais si Dieu n'a pas sa main dedans, ça ne marche pas. Ah! Mais comment peux-tu faire du pareil? Allez laver ton pécus! Elle a le dit de quelqu'un! Ça là! Ça là, pour accepter de faire de telles choses, il faut vraiment avoir un mauvais fond. Il faut vraiment avoir un mauvais esprit en soi-même. Parce qu'une personne normale, quand même, ça, ce sont les femmes sorcières qui sont dehors là, dont je vous parlais là. Ce sont ces femmes sorcières là qui sont à la base de telles choses bizarres. Elles vont voir des marabouts. Ce sont elles qu'on retrouve, c'est les féticheurs. Ce sont elles qu'on retrouve dans les faux coins seulement. Des faux coins seulement. Elles ne seront jamais attirées par de bons endroits. Hein. Elles seront encore attirées par des endroits bizarres. Elles vont aller ramasser les choses pour venir les mettre sur vous. Les amis, frères et sœurs, faites attention. Faites vraiment sérieusement attention. Parce que si vous êtes riche et que vous choisissez une mauvaise femme, vous êtes dans les problèmes, les amis. Vous êtes sérieusement dans les problèmes. Ça veut dire que cette femme-là, même là, si tout de suite le diable lui dit, écoute, pour me livrer ton mari, elle ne va pas hésiter à le faire. Elle ne va vraiment pas hésiter. Ce qui veut dire que si vous, vous êtes incroyant, vous avez la crainte de Dieu, et que vous arrivez jusqu'à vous mettre avec cette fille, elle va vous combattre. Elle va vous combattre nuit et jour. Et vous allez ressentir que des choses sont bloquées dans votre vie. Les choses sont bloquées dans votre vie parce que vous marchez avec la mauvaise personne. Essayez de marcher seul, vous allez voir. Vous allez constater un changement immédiat. Mais ces gens ne vont pas se laisser faire. Ils essaieront de tout faire pour venir perturber votre paix, votre solitude. Le monde fait peur, les amis. Faites très attention. Vous devez partager cette vidéo pour que ça aide beaucoup de gens. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Laisse un j'aime. Si tu veux nous soutenir par les dons, tu peux le faire. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de toutes les façons, de toutes les manières. Que Dieu vous bénisse. Je suis au rendez-vous pour la suite dans peu de temps sur Nyansoubonne. Soyez prêts et restez connectés.